Quand le petit Nicolas, on l'appelle l'agent de police, Nicolas, Nicolas police, Nicolas. Voilà, voilà, nous sommes à dimanche, le 7 mars déjà, c'est le printemps qui approche. Voilà, donc souvent je fais le guignol, le clown et tout ça, je peux être très sérieux aussi. Donc, deux personnes qui sont fantastiques, trois, Fabrice Arfi, avec lequel j'ai fait un selfie le 6 novembre 2019, la salle blanche de la bibliothèque Ribert à Strasbourg, et du Plenel, Mediapart, seuls leurs lecteurs peuvent les acheter, des grands messieurs, et puis alors surtout l'acteur de One Man Show américain, Georges Carlin, qui explique que les lobbies, des groupes de pression, formatent vos cerveaux. Il dit donc en anglais, they tell you what to believe, what to think, and what to buy. Et ça, c'est très important. Ils vous disent quoi penser, quoi croire, et surtout quoi acheter. Donc, le lobbying, c'est des puissants groupes de pression donc, qui sont payés par ce que Georges Carlin appelle le Big Club. Hein. It's a big club. And you and I ain't in it. You and I are not in this big club. Et donc il explique que le Big Club, they have since a long time corrupted the state houses, the city halls, the senate, the congress, they have the judges in the back pocket. Alors là, on a un exemple en ce moment. Donc avec le juge qui a été condamné, avec l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog. Je ne sais plus trop comment il s'appelait, mais donc Nicolas Sarkozy lui a promis, voilà, bien entendu, il a fait appel. Il est obligé de faire appel parce qu'avec tout ce qui va suivre maintenant, les big balios, les Alors, ce qu'il faut aussi souligner, c'est la classe de Fabrice Arfi quand il dit que bah, ça lui plaît pas, quoi. Il n'est pas heureux et tout ça. Mais dans une dernière vidéo Mediapart, il explique aussi que quand Nicolas Sarkozy dit qu'une affaire qu'il n'y a pas eu, qu'il n'a pas fait du team, hein, Fabrice Arfi soulève quand même que c'est la démocratie, c'est nous tous qui sommes des victimes. Parce que le Charles de Gaulle étoile. Hein. Là, je parle aux écolos. Les écolos bornés, comme on les appelle dans le trial. Hein. Ceux qui vont avec les bobos, comme chantait Renaud. Ceux qui vont avec leur gros 4x4 déposer leur gamin à l'école. Et qui polluent en déposant leur gamin à l'école en un jour, ce que nous, un trialiste, on sera amené à polluer en une année. Voilà. Donc, ces gens-là, ces écolos bornés, je m'en fous. Hein. Merde, il France, caca pourri. End of. Bon dimanche, amusez-vous bien, les trialistes.